شيخ الدشرة، شكرا. كنت ضيف معنا في هذه الحلقة من برنامج السيرة الذاتية. مشاهدينا الكرام، تحيات فريق العمل، طبعا المخرج علي الشيخ وكذلك سيد محمد العند الكوري، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج السيرة الذاتية. لا يكون الحين، رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. Hey bonne, tu sais que le nouveau abonnement 4G de Move Moritel est plein de surprises. سيم 4G قوة لادا ب 500 كالعادة، فيهم مليا 1 جيجا ب 500 كالعادة، 100% للتلفين في 3 اشهر زيادة، 100% كونيكسيون زيادة. Hey bonne, tu sais que la 4G de Move Moritel a une vitesse incroyable. مع موف عيش السخاء والسرعة والريادة، مو راحة للزبناء زيادة زيادة. هاي بنا تسيك لا 4G est désormais dans toutes les capitales régionales du pays. 4G ماشي في الزيادة. موف موريتيل، un monde nouveau vous appelle. افرح والجوال في الناس بلا تعب وبلا حمام، وعيش اشطار الانترنت اللي تجيبك فوق القمة. اسمع موسيقى دي جي وشوف افلامك فول اتش دي والعب مع ما تلقاش، وغني وكرر نغمة. Calme, Nabini, partage un âme, tagini, connecti, capturi, n'ajoutez, meschili, vocalme, Nabini, partage un âme, tagini, connecti, capturi. Ajouta me fait des bam tare, baden yo tere dingiral, no dami binda mi batake, wala nel da kam vocal. Snap me pare, envoye mon côté, si tout y pare, mon partage ko, n'ajoutez, Didi en kaho, on a connecté, on a mechiri. افرح وامرح والعب عيش العالم بين ايديك الماء، وعيش افضل لتقد تعيش شعود ومعنى في القمة. مع كاتشي متل عيش احسن ما في الانترنت. Être à la hauteur est un défi de tous les jours. Entre amis, en famille ou au travail, c'est la même énergie qu'il faut activer. Pour rester connecté avec ses objectifs, prendre le temps de choisir pour trouver le meilleur et aller chercher les plus fortes émotions et les plus belles histoires à partager avec notre monde. Moi, j'ai choisi mon monde en gratinette étoile 2 de Move Moritel. J'y trouve toute la performance et la générosité pour offrir le meilleur de moi.
Vitesse et générosité avec les forfaits à partir de 10 gigas et jusqu'à 200 gigas valables 3 mois. Pour activer un forfait gratinette étoile 2, tapez étoile 1, 2, 3, étoile, code d'une recharge, étoile 2, dièse. Ou demandez à votre vendeur de crédit, Chargili, étoile 2. Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Avec le nouvel abonnement à l'aide de Matel, bénéficiez de 500 gigas nouvelles de crédit, 2 gigas d'internet et jusqu'à 500% de bonus recharge durant vos 3 premiers mois d'abonnement. Matel, la vie connectée. Les études cliniques ont prouvé que la vaccination contre la COVID-19 réduit massivement les formes graves et la mortalité due au virus, protégeant nos proches. La Mauritanie a introduit la vaccination contre la COVID-19 sur toute l'étendue du territoire national. La première phase concerne les personnes les plus exposées à la COVID-19, le personnel de santé, les personnes travaillant aux frontières et dans les administrations, les sujets âgés de plus de 70 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques âgées de plus de 40 ans, les dialysés, les personnes travaillant aux frontières et dans les administrations. Si vous êtes concerné par cette première phase de vaccination, ne ratez pas l'occasion. Le vaccin protège contre les formes mortelles de la COVID-19. Imaginez un monde qui s'illumine pour vous. Un monde moderne et d'innovation. Qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin chez vous. Un monde qui s'active pour vous faire avancer. Pour vous mener encore plus loin. Un monde qui vous rapproche et qui préserve votre environnement. Un monde qui vous accompagne au quotidien et qui anime vos sens jour après jour. Ce monde, c'est le vôtre. Celui de la fibre Move Moritel au débit. Désormais chez vous à partir de 2000 Ougia par mois seulement et jusqu'à 100 MB par seconde. Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. La première dame assiste au siège du Comité national de l'Union pour la République à Nouakchott à l'iftar organisé par le Comité pour les femmes du parti. Le Premier ministre insiste auprès des cadres du département de la justice et de l'intérieur sur la nécessité de rapprocher l'administration des citoyens. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement supervise l'ouverture d'une tannerie dans la Mouqaffara d'El Mina. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous le disais en titre, la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadlider, a honoré de sa présence hier soir au siège du Comité national de l'Union pour la République UPR à Nouakchott, l'iftar organisé par le Comité pour les femmes du parti. Cet iftar intervient dans le cadre des ruptures des jeunes organisées par le parti au cours du mois de Ramadan. Amina Sakan. C'est en présence de la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadlider, que s'est tenu cet iftar organisé par le Comité national de l'Union pour la République. La rencontre s'est déroulée en présence des dirigeants et des militants du parti.
L'occasion pour le président du Parti de l'Union pour la République, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, d'indiquer que le rôle du comité national du parti souhaite un prompt rétablissement à la présidente du comité national des femmes et à la poursuite des activités du parti, activités inspirées par le programme Mes engagements du président de la République. Soulignant que cet iftar marque la fin d'une série d'autres organisées par le parti au cours du mois béni du Ramadan. Il s'agit, dira-t-il, de rencontres qui resserrent les liens et les contacts entre les responsables et les militants du parti, soulignant le rôle important que les militants jouent dans la vie du parti, indiquant avec satisfaction que le parti a abattu un travail titanesque dans le but de préserver les importants acquis réalisés par le gouvernement au cours de la pandémie de la COVID-19. Le président du parti a ajouté que ces réalisations ont largement contribué à relever le niveau de vie de la population en général et des franges vulnérables de la société en particulier. Lui succédant, la vice-présidente du comité national de l'UPR, Lalla Rachid Saleh, a évoqué les nombreux défis qui ont émaillé cette période et plus principalement ceux liés à la pandémie de la COVID-19 qui s'est répercutée sur le monde entier. Elle a fait observer que les décisions du président de la République ont été déterminantes dans l'allègement de ces effets. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire sur le Comité national des femmes de l'Union pour la République et une conférence sur le statut de la femme dans l'islam s'est déroulée en présence de la ministre conseillère à la présidence de la République, de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et d'un certain nombre de responsables et militants du parti. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, a reçu aujourd'hui le président et les membres du bureau exécutif du Conseil supérieur de la jeunesse. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur les moyens de dynamiser le Conseil, de renouveler ses organes, de révision de ses prérogatives et de son financement. Il s'agit de lui faire jouer pleinement son rôle en tant qu'organe consultatif de la jeunesse chargé de donner des avis aux autorités exécutives sur l'ensemble des questions relatives à la jeunesse. La réunion s'est déroulée en présence de Mme Aïcha Valpagès, directrice de cabinet du Premier ministre et des chargés de mission et conseillers à la primature. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, continue ses visites d'information et de contact dans les différents départements ministériels. C'est ainsi qu'il s'est rendu ce matin au ministère de la Justice. Le point avec Mohamed Khabat. Poursuivant la série de visites de prise de contact et d'information pour les différents départements ministériels de son gouvernement, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesoud, s'est rendu ce matin au ministère de la Justice, où il a été accueilli par le ministre, M. Mohamed Mahmoud Abdallah Bouye, entouré de ses principaux collaborateurs. Ici, le Premier ministre a tenu une réunion avec les responsables du ministère, au cours de laquelle il a indiqué que le gouvernement travaille conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, visant à renforcer l'indépendance de la justice et œuvrant à rapprocher la justice du justiciable. Il a rappelé, entre autres, que cette visite a également pour but de s'informer de près sur le niveau d'exécution du programme du président de la République, insistant sur l'exigence de l'accélération des procédures judiciaires et sur le rapprochement des justiciables et la confiance en cet important service de l'État de droit. L'occasion pour le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Abdallah Bouye, de souligner que le Premier ministre leur a rendu visite dans le cadre des tournées qu'il entreprend dans les différents départements ministériels pour leur transmettre les orientations du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, afin d'accélérer le travail confié à ce ministère, notamment dans le programme du président de la République, Oulou Yati, et dans la déclaration de politique générale du gouvernement faite au Parlement. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sera la seconde étape de cette tournée. Autant qu'ailleurs où il est passé, le Premier ministre a rappelé aux responsables du département la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du programme du président de la République et de respecter ses engagements faits au peuple mauritanien et partant d'en faire la priorité des priorités de leur agenda. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec les responsables du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Premier ministre a insisté sur l'exécution rapide des programmes et activités prévus dans la politique générale du gouvernement.
il a appelé à la consolidation des valeurs et principes d'une saine administration et d'une bonne gouvernance qui nous oblige, dit-il, à fonder toutes nos actions et décisions administratives sur les lois et procédures en vigueur et que notre objectif soit et reste toujours la réalisation de l'intérêt du citoyen. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Al-Mazouk, d'affirmer que l'exécution du programme du président de la République est très avancée et qu'il y a lieu d'en rajouter à Ta'ahoudati, qui est un programme réussi. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que le grand problème de ce pouvoir est d'avoir réussi, d'avoir tenu ses promesses et constitué un consensus national comme il lui avait été prédit. Réussi aussi à restaurer des principes et des valeurs qui manquaient cruellement. Le dernier volet de ces visites était consacré à l'écoute des problèmes et obstacles qui se posent aux responsables et obstruent le travail dans les différents ministères. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement général, M. Daroul Sidi Oul Amar Talib, a supervisé aujourd'hui dans les locaux du ministère de la cérémonie de réception de 50 000 masques fournis par l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale. Mohamed Al-Khata, toujours. L'organisation non gouvernementale Nessim pour l'action culturelle et sociale fait don d'une quantité de 50 000 masques et divers matériels d'hygiène au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original en guise d'appui aux efforts de lutte contre la propagation de la COVID-19. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Oul Amar Talib, de louer cette action généreuse, constante et soucieuse de l'intérêt général manifesté par l'ONG Nessim. De son côté, le président de l'ONG, M. Mokhtar Oul Khalife, a indiqué que ce don, deuxième du genre au profit du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, s'inscrit dans le cadre d'une série d'autres activités ayant pour but d'appuyer les efforts des pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il est entendu que ces masques et ce matériel d'hygiène ne manquera pas d'aider le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ainsi que les établissements qui lui sont affiliés à lutter efficacement contre la COVID-19 en incitant les uns et les autres à respecter les mesures préventives. Le ministre de l'Équipement et des Transports, en compagnie de son homologue,